Et voilà, donc bonjour à tous. Alors aujourd'hui c'est pour vous présenter une petite gare sympa, enfin métro gare, parce que comment dire, là c'est plutôt une gare, des fois c'est plutôt un métro comme là-haut comme vous avez pu voir. Donc je les ai stipulés par nom, ce qui peut être, comme ça c'est plus facile dans un serveur multi. Donc gare 4 construction, j'en ai fait 4 des gares, j'en ai pas fait plus, j'aurais pu en faire en plus, beaucoup plus même. Mais bon, après faire tout un chemin, parce que franchement si je fais juste un petit chemin là, qui a une gare juste à côté, il n'y a aucun intérêt. Hein. Faut que ça aille quand même assez loin. Et c'était les 5 points les 4 points stratégiques là qui m'ont convenu le mieux. Bon alors. Ici on a la gare, voilà, comme vous voyez. Le minecart est là. Bon alors là, on appuie sur ce bouton. Ça enclenche ce rail booster. Quand il y a un rail booster qui est allumé et derrière il y a un bloc, le minecart part droit. Donc voilà. Après ici un petit distributeur minecart simple. Hop. Ici on a l'accueil, hop, avec toujours le panneau où on voit les gares. Ici on a le circuit de redstone que je vous montrerai après. Alors je vais tout de suite aller quand même. Donc ça c'est purement décoratif, hein, il n'y a rien dedans. Je vais tout de suite aller à la dernière gare. Voilà. Donc ce qui est pratique avec le métro, c'est qu'on en fait déjà on rencontre pas des mobs. Bon bien sûr ça risque de spawner dans le tunnel, hein. Mais ce qui est bien c'est qu'on voilà, on évite déjà de rencontrer des mobs. Et surtout on évite de se trembler par la nature et tout. Et on peut se rendre très vite à des points comme ça. Voilà. Attends, je règle juste mon micro. Attends une seconde. Voilà. Voilà. Alors. Hop, on montre. Ça nous freine, on est là, je continue tout droit, hop, vous voyez toujours le système avec le piston qui se rattrape derrière, et on continue tout droit vers la prochaine gare. Donc ce petit système à la fin de la vidéo, je vous montrerai comment le réaliser, franchement très simple, il suffit juste de 2 délayers, un peu de redstone, même pas de torche, hein, rien, 2 pistons collants, des rail boosters, voilà. Donc là on arrête, on s'arrête toujours, je continue toujours tout droit. C'est l'avant-dernière gare. Et après on rentre dans le métro. Ouais, excusez-moi ça. Alors ça c'est un sort de mini tunnel que je me suis éclaté à faire. Donc, inutile de se préciser, cette gare là n'est pas très très loin. Alors, on est déjà arrivé, c'est un métro. Et c'est la dernière gare. Hop, voilà. Donc là vous voyez la fin mais avec le petit panneau le truc. C'est là un peu juste trop bien le remettre quand même. Je crois que c'est sans enlever du rail. Donc tout est calculé par rapport à la vitesse du minecart et les rail boosters. Donc attention ne pas marcher sur la voie, je m'en fous. Non, la honte. Alors ne faites surtout pas ça. Donc la gare 1, quelques jukebox pour mettre un peu d'animation. C'est la dernière gare, donc on a toujours les distributeurs de minecart, on a la gare, donc ça la gare à l'abattoir. Donc si vous avez vu ma présentation sur abattoir à poulet, cochon, mob, etc. Et ben voilà, j'atterris juste devant. Bon bien sûr ça gâche un peu l'esthétique. Mais c'est franchement mieux comme ça parce que j'atterris déjà directement là et je peux directement aller chercher la bouffe ici sans forcément passer par toute la map. Ce que je voulais vous dire, donc c'est suivant la construction, donc la construction du système là, c'est à dire en appuyant, hop, il y a un piston et donc qui se rétracte et on part. Donc je vais vous montrer le système, enfin je vais vous montrer la construction du système. Donc on va se passer en créative, je vais désactiver la faute parce que ça me fait laguer. Oula, on va prendre, donc on va prendre n'importe quel bloc, on va prendre n'importe quel bloc, par exemple j'ai, oh, le bruitage commence à lag. Attendez, arrêtez que ça me dérange trop. Voilà. Hop, on arrive à la deuxième gare. Donc là, vous pouvez voir le système un peu. Hop, je freine. Et voilà. Alors ça, c'est dangereux. C'est ça. C'est que des fois, le minecart, il reste un peu comme ça, penché. Donc c'est, il risque de partir sur le doigt. Bon, ça... faut rectifier un peu à la main parce que si on peut mettre un rail booster ici après ça va foutre le bordel. Voilà, donc petite gare, et là je vous montre un peu le système à quoi il ressemble pour vous montrer
C'est pas très 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 imposant, c'est même pas imposant du tout. Donc vous voyez, deux délayeurs, deux sticky pistons, les deux boutons sont reliés là. Et voilà. Bon alors, Fly 50. Pourquoi je mets autant? Parce que ça va aller beaucoup plus vite et vous montrer rapidement la construction. Je peux faire ça où? Je peux faire ça là. Donc normalement ici on a déjà un système de prêt. Voilà. Et là on a la gare. Donc vous voyez quand même là c'est carrément une autre plateforme à plat. On peut aller de là à là-haut, à ici, sans problème, en 2 secondes. Donc voilà, donc un peu le système ici, hop. Et donc je vais vous montrer comment il faut le réaliser. Donc prenez n'importe quel matériau, moi je vais par exemple prendre du bois. Prenez des boutons, donc deux délayeurs, de la redstone, deux sticky pistons, un rail booster, des rails normaux aussi, hop, et c'est tout. Donc j'ai quand même un peu m'éloigné pour le système. Très très simple hein. Je me suis pas cherché à compliquer la vie. Donc vous recouvrez les rails comme ceci et vous mettez rail booster juste là. Donc rail booster va être ici. Donc à savoir que quand un piston collant s'active, voilà, quand un piston collant s'active, ça ne va pas détruire le rail. Vous voyez, j'active, ça détruit pas le rail. Donc c'est cette technique qu'on va servir. Donc à partir de 2 du rail en pente comme ça, vous allez compter. Donc 1, 2, vous posez votre bloc, vous posez votre sticky piston. Pareil de l'autre côté, 1, 2, tac et tac. Donc, comme si je pose ça là. Ici, on va déjà prendre de la redstone et on va relier ça à l'extérieur pour pas confondre. Et au fait, au-dessus des blocs que les pistons vont poser, vous mettez encore 2 blocs. Vous allez prendre de la redstone. Vous mettez ceci et vous mettez vos 2 boutons. Donc voilà, donc quand j'active, voilà, je peux déjà choisir quel endroit je vais partir. Donc ensuite là il faudra un peu contourner la chose pour pouvoir y mettre un délayeur. Donc vous allez mettre un décalage, puis vous allez mettre 2 blocs de plus, donc 2, hop, pour pouvoir mettre en fait ici un délayeur, parce que vous allez voir le problème après qu'il y a. Vous reliez tout, oups, vous reliez tout comme ici. Le problème c'est que en fait quand on active ceci, voilà, ça reste d'activer les deux parce que la redstone fait tout un détour jusqu'à là et active le deuxième piston. Donc c'est pour ça qu'il faut un délayeur pour couper le courant. Donc un là et un là. Après ici vous pouvez mettre un petit délai si vous voulez pour faire un peu fun, mais bon. Et voilà, donc votre système est prêt. Hop, je pars vers là-haut. Tac, je pars vers là-haut. Donc très très simple. Ça permet d'aller dans 2 directions possibles et ça. Voilà. Je peux aller partir vers là ou de l'autre côté sans aucun problème. Donc c'est pratique aussi parce qu'on peut revenir sur en arrière mais directement sur le même rail. On n'a pas besoin d'en emprunter un deuxième, etc. Donc voilà, donc c'était vraiment un petit tuto et une présentation d'un petit métro ainsi qu'une petite gare. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner. Et dites-moi par des commentaires bah, simplement si je pourrais améliorer le système. Donc bien sûr, pour le distributeur de minecart, je me suis pas non plus fait chier. Dire ça comme ça. J'ai pas envie d'inventer un tout gros truc non plus. Donc voilà, donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Allez hop, à la prochaine.